du chien qui pisse sur un arbre et qui lève la patte. Donc je lève la patte plus ou moins vite et je la redescends un peu plus lentement. Pendant que vous faites cet exercice-là, il faut que le dos ne bouge pas. On conserve donc pour cela son gainage. Et on peut partir pour une vingtaine de répétitions par jambe. Ok, deuxième exercice, variante. Donc le dos toujours bien droit. On tend la jambe la plus haute que la hauteur des fessiers et des épaules. Parce que si j'ai tendance à lever un petit peu plus haut, j'aurais tendance à creuser le dos. Et avec toujours le souci de faire le même nombre de répétitions à droite et à gauche. On peut passer de 4 appuis à 2 appuis. Donc là, je suis sur un exercice dynamique, mais on peut aussi ponctuer par le maintien d'une pause statique. On peut reprendre derrière avec du dynamique.